C'est un métier qui nous porte à nous dépasser pour aider les autres. C'est comme si on se laisse tomber pour prendre soin des autres. Mon nom est Jessica Fleurmont. Je suis d'Haïti, donc je suis haïtienne. Ma capacité à devenir infirmière a été découverte par ma grand-mère et ma sœur. Elle trouvait que je portais une attention particulière pour prendre soin de ce que j'aimais et que je veillais à ce que tout soit fait dans le mieux possible. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de recevoir un patient en très mauvais état et de le permettre de pouvoir aller mieux jusqu'à un rétablissement complet. Surtout pour les patients intubés, nous demandons aux patients qui accompagnent le patient de leur parler, de raconter la journée comme s'ils étaient conscients, de chanter, de raconter une belle histoire. Des fois, il peut arriver à entendre. Et le fait d'entendre un proche, une voix familiale, ça permet aux patients de rester. Parce que c'est vrai qu'on est déjà un personnel soignant, qu'on doit faire face à tout. Mais c'est voir quelqu'un en très, 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 très mauvais état. Donc, c'est vrai que nous sommes haïtiennes, nous vivons dans le pays, nous savons déjà comment c'est, donc on fait avec et on n'a pas à faire payer le patient pour cela. Donc, il nous faut beaucoup de courage, un dépassement de soi. Étant quelqu'un d'optimiste, j'ai tendance à croire à un aller mieux pour l'avenir.